Pierre Fellerot, mercredi dans le Quintet, et vous serez au sulky de Vertige Chenu, qui n'a pas raté son objectif dernièrement à Bordeaux. Oui, bah oui, il a rempli son contrat, on va dire, dans l'eau, certainement moins bon que celui de mercredi, mais bon, à voir. Bon, moins bon, mais il y a ajouté la manière, parce qu'il était dernier dans le tournant final. Ouais, il était au-dessus de ces chevaux-là, maintenant faut voir comment se frotter aux Parisiens, quoi. Et comment vous l'abordez alors, ce Quintet Parisien ? Ça a plus une valeur de test qu'on peut pas dire, j'ai une première chance. Voilà. On va essayer de faire notre course, notre valeur, et voir d'où est-ce qu'on en est. Bon, on sait qu'il est bien. Par contre, c'est corde à gauche cette fois-ci. On l'a vu gagner à Vichy et à Bordeaux. Ouais, on l'a vu gagner à Château du Loir aussi. Donc il tourne bien à gauche. Oui, mais avec un pilote, c'était votre frère. Ouais, il a ça. Il a ça contre lui mercredi. Hein. Non, je vous taquinais, Pierre, mais bon, on le fait passer pour un meilleur droitier malgré tout. Ouais, il a toujours été un peu plus à l'aise à droite. Maintenant, il s'y met bien à gauche. Ça va aller. On va l'aider un peu d'un petit piquant et ça va aller. Moi, sur ce qu'il a fait à Bordeaux, j'étais un peu sous le charme et j'ai vraiment l'impression qu'il peut jouer les premiers rôles de ce quintet. Bah écoutez, ouais, avec le bon parcours, faut pas qu'il fasse de bêtises en partant. Certainement qu'il va y avoir du monde en partant. Il est pas à l'abri d'une petite faute. Voilà, faut que tout se passe bien. On peut pas, je peux pas dire, j'ai une première chance.